Coucou, c'est parti pour une ouverture de courrier. Voilà, comme bien souvent en ce moment, c'est génial. Je vais pas vous mentir, hein, c'est génial. J'ai trois courriers à ouvrir, j'allais dire à envoyer. La première qui me vient de Laetitia. On va ouvrir. Alors, j'ai pris mes ciseaux. Peut-être que je suis un peu basse, on va peut-être baisser un peu, non? Ouais, bon, ça ira. Donc là, on est vendredi matin. Je suis du soir, donc je ne vais pas partir de la maison avant 13h. Je commence à 13h30. Mais voilà, si j'ai une petite mine, c'est que Madame Gastro est passée par chez nous. Donc forcément. Pas cette nuit. Oh, sympa. Pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant, c'était sympatoche. Alors. Oh, il est beau. Il est très très beau. Regardez. C'est de. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est de Kitty Créatine. Voilà. J'avais vu le nom, le prénom et le nom de famille derrière. Je pensais, je me doutais bien que c'était toi. Mais je voulais pas dire de bêtises, donc j'ai rien dit. Voilà. Très joli, franchement. Super beau. Et à l'intérieur, il y a une petite carte ATC. Bonne année. Elle est trop belle. Moi, je vous ai pas montré l'ATC, pardon. Avec le petit poisson là, j'aime trop ce poisson là. Super sympa, il est trop beau ton tag. Ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag et je devrais m'y remettre peut-être. Ouais, oui, franchement, il est trop trop beau. Voilà. Un petit mot sur une enveloppe. Merci pour ta carte. Réception. Oh, trop mignonne. M'envoyer des découpes. La découpe. La même découpe qu'il y a sur le tag. Comme ça. Oh, c'est génial. Elle est trop trop belle cette découpe. Et un beau Bouddha. Où est-ce que je vais le mettre? Là, vous le voyez là. Hop, hop, hop. Et deux dragons embossés. Ils sont trop trop beaux. Faudrait que je me fasse, vous savez, comme on a des. Bon, moi, carrément, pour Noël, c'est un meuble pour les trucs de Noël, pour Pâques, pour la Saint-Valentin et tout ça. Bah, je vais me faire une petite enveloppe Nouvel An chinois. Merci, merci Laetitia, ça fait super plaisir. Hop, je pose ça là. Ensuite, j'ai reçu quelque chose de Laure. On va voir ce que c'est. Et je prends. Ouh, bah il y a plein de trucs là-dedans. Encore plein de découpes. Génial, génial. Alors là, une découpe. Ça sent la gorgeous. On voit la perruque, on va dire, dessous. Bon, non. Allez, regarde le courrier d'abord. Alors, bonne année 2019. Mignonne, je te souhaite une bonne année. Ah oui, on avait échangé les cartes Panini. Des fois, je me rappelle plus. Je suis désolée, les filles, faut pas le prendre mal, mais il y a des fois où je me rappelle plus ce que j'ai fait avec qui, quand, quoi, comment. Des fois, oh les rouages sont beaux. Des fois, je suis un peu larguée. Ah, oh, super sympa. Plein de découpes. Bon, le problème, c'est que les découpes, quand on les défait, on a peur de les abîmer, c'est ça. Mais je suis un peu curieuse. C'est ça aussi. Je vois de la fée clochette. Ça, c'est trop. Les horloges, là, elles sont trop trop belles. Il y en a une blanche, il y en a une marron, il y en a une noire.
Si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est Onigi qui s'éclate là-bas. Encore une blanche et une noire. Des petites fées clochettes, elles sont trop mignonnes. Enfin, s'éclate. Si tu joues avec mes rideaux, ça va pas le faire. Hein. Elle est derrière le rideau. Parce que ma pièce, il n'y a pas de porte en fait. C'est séparé avec un rideau. Donc, comme ça, quand on est dans le salon, qu'on veut pas voir, on ferme la pièce. On ferme la pièce, on ferme le rideau. Des petits puzzles. Un petit film de Cinoche. Une bobine. Un nounours. Des tags. Des plumes. Des fées clochettes. Trop top. Bon, il y a encore tout ça. Mais bon, je vais pas tout vous montrer un par un. Donc merci, merci beaucoup Laure, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, il y avait ça aussi, pardon. Ah, un petit porte-clés. Ah, c'est marrant. Un petit porte-clés, à mon avis, c'est fait en plastique fou, là, en plastique dingue. Trop mignon. Merci beaucoup. Péché mignon, des petits cupcakes, des petits machins, des petits trucs. Ah, c'est trop chou. Merci à toi. Une petite coquichi, je crois. Hop. Voilà. Ben, merci, merci. Maintenant, on va passer au troisième courrier qui m'impressionne. Puisque ça vient de Daligon. Et Daligon m'a envoyé un message. M'a dit qu'elle voulait mon adresse. Et elle m'a dit également... c'est une blagounette. Donc voilà la petite enveloppe. On va l'ouvrir. Poum. J'ai peur que ça explose. Qu'est-ce que ça va être? Bon, déjà ça fait pas peur. C'est une petite carte toute rose. Qu'est-ce que c'est? Un cutter? Ah, c'est peut-être un... Qu'est-ce que c'est? En tout cas, ta carte est très jolie. Alors, on va savoir... Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Hello Coco! C'est le jour où tout va basculer. Ah d'accord, parce que quand j'ouvre les courriers, j'arrache les trucs et en fait c'est pour ouvrir mes courriers. Tout comme Mélanie, ta paire de ciseaux te vole la vedette et a une fâcheuse manie parfois à ne même pas servir. Si si, certaines enveloppes souffrent de déchirure. Oh, je suis désolée mesdames les enveloppes. J'ai mal pour elle. Alors avec cette jolie carte, je te joins un outil très pratique dans la vie quotidienne. Un ouvre-lettre. Maintenant c'est de l'humour mais c'est pratique. Marc Dali. Elle est où ma ligne? Tout ça c'est de l'humour. Ben oui c'est de l'humour mais c'est pratique. Il est monté en porte-clés pour ne pas que je le perde. Bah c'est sympa, non mais c'est peut-être de l'humour mais c'est super sympa. Alors attendez, on va le tester. Je vais fermer l'enveloppe. Bah peut-être. Bon là il y a mon adresse donc on va fermer l'enveloppe là, celle-ci. Et on va faire comme si on ouvrait le courrier. Waouh, ça marche. Ouais, bon, bah là du coup ça m'a coupé l'enveloppe puisqu'elle n'était pas collée. Mais oui, ça marche. Eh ben, je sais me servir d'un ouvre-courrier. Faudrait que je me laisse là. Ah, ça rentre pas.
Faudrait que je me le laisse ici, comme ça, la plupart du temps, j'ouvre mon courrier ici. Donc, je vais me le laisser bah, là, dans ma petite. Regarde. Hop. Allez, tourne. Il ne veut pas tourner. Je le laisse là. Voilà. Comme ça. Comme je me mets souvent ici pour ouvrir mes courriers. Et bien, comme ça, je l'aurai sous la main. Si je ne l'ai pas la prochaine fois. Oh, je vais me faire défoncer. Je vais me faire allumer. Bah, merci, Dali. C'est rigolo, c'est mignon et c'est pratique. Donc, génial. Je regarde ton tampon de fond. Union, bonheur, mariage. Oh, c'est mignon. Petit assemblage de fleurs là. Je vais pas tarder à me lancer. Je vais essayer de faire des assemblages de fleurs comme ça parce que vous me donnez trop envie quand, dans vos courriers de faire ça aussi. Voilà, bah merci les filles. Encore des courriers bien, bien sympatoches. Des courriers que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir, tout ça, tout ça. Mais j'ai l'impression de me répéter. J'ai dit les filles, elles vont être saoulées au bout d'un moment. De voir des vidéos, je dis merci, 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 mais je suis obligée de dire merci, merci, merci. Voilà, parce que, bah parce que je peux pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse et puis je vais essayer d'aller vous tourner un petit tuto d'une petite nouveauté. Ta, 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 ta. Voilà, bon, allez, bisous à tous et je vous laisse, à bientôt.